Je ne sais pas ce que vous aviez prévu pour cette semaine sainte, mais nous, on a eu des petites idées pour vous. Le rameau qui a été béni, on va le prendre et on va l'amener et le déposer à l'oratoire. Le rameau, on le pose devant la croix. Et cette croix, puisqu'elle doit être voilée pendant le temps de la passion, on va lui mettre un joli voile violet. Et ça nous permettra plus tard de l'ôter pour vénérer le mystère de la croix. Cette année, nous vous proposons de faire une expérience confinée de retraite. 3 jours saints avec Jésus. De privilégier ces 3 journées, jeudi, vendredi et samedi saint, pour nous mettre en retraite, en retrait de nos activités habituelles, pour pouvoir passer du temps pour Jésus. Alors ces 3 jours vont se dérouler. D'abord, en premier, l'office. À 11h, une méditation sur les 7 paroles du Christ en croix. En résumé, 8h, l'office, 11h, la méditation. Jeudi saint, c'est la scène de Jésus. Et c'est pour ça que nous vous invitons à partager un bon repas en prenant soin de laisser une place pour le Christ. Allez, chine! Jeudi soir, nous nous retrouverons pour la célébration à 18h. Nous communierons la scène du Seigneur en direct sur YouTube. Au cours de cette célébration, nous renouvellerons l'institution de l'Eucharistie et puis après l'entrée de Jésus dans l'agonie. Et nous vous proposons une petite cérémonie familiale. Vous pourrez prendre le plus ancien de la famille, le père ou la mère, prendre un pichet d'eau et ensuite laver les mains des personnes de la famille. Et ensuite, vous pourrez essuyer les mains, comme Jésus l'a fait, en essuyant, en lavant et essuyant les pieds de ses disciples. À minuit, nous vous donnons rendez-vous pour passer en live avec les prêtres 15 minutes d'adoration dans le silence auprès du Seigneur. Vendredi, c'est jour de jeûne et d'abstinence. Méditation sur les 7 paroles du Christ en croix. À 15h, nous nous retrouverons pour suivre le chemin de croix animé par les familles de la paroisse en direct sur YouTube. À 18h, nous nous retrouverons pour la célébration de la Passion du Seigneur. À cette occasion, nous pourrons dévoiler la croix en même temps que les prêtres le feront à l'église et ensuite la vénérer à la maison. Vous pourrez vivre cette célébration en direct sur YouTube. Samedi, c'est le grand silence. Nous attendons la résurrection du Seigneur avec la Vierge Marie. Samedi soir, nous vous invitons à allumer un seul cierge et à nous retrouver en direct sur YouTube à 20h pour la célébration de la résurrection du Seigneur. Dimanche de Pâques, c'est le jour de la résurrection. Alors, on se fait tout beau pour assister à la messe. Christ est ressuscité en vérité.